C'est sûr que ça va nous servir parce que c'est, le foot est ainsi fait. Il y a un truc sur les, si on vit pas une, si on vit pas une certaine expérience, le jour où justement tu te retrouves dans cette situation, peut-être que tu perds tes moyens. Là, on sait qu'on est capable de, on est capable de revenir. On est capable, avec la mi-temps qu'on avait fait, on pouvait qu'être déçu, frustré, énervé. On avait qu'envie de revenir dans cette deuxième mi-temps et vite égaliser et passer au-dessus. On a jusqu'au bout, on a voulu. Même à 2-2, on aurait pu dire vas-y, on gère ce résultat-là, on garde ce match nul et on met tout sur le dernier match. Les joueurs avaient envie, moi-même, c'est peut-être un défaut peut-être que j'ai, j'avais envie encore de gagner, aller chercher la victoire jusqu'au bout. Donc j'avais encore un temps de changement, j'aurais pu changer sur les 10 dernières minutes ou 5 dernières minutes et faire entrer un milieu de terrain, refaire sortir un attaquant s'il fallait pour garder ce score-là, mais on avait envie de marquer. Et ces joueurs, j'ai les joueurs que je veux, des joueurs avec un gros mental. Et je leur dis souvent, on n'ira pas gagner cette, on n'ira pas aller, lapsus, je ne sais pas si c'est révélateur ou pas, on verra à la fin. En tout cas, on n'ira pas. Il y a un discours qu'on a en interne, vous avez compris. Le tout, c'est on ira le plus loin possible ou au bout, seulement avec un groupe, pas avec 11 joueurs, pas avec 13 joueurs, pas avec 15 joueurs. Voilà, chacun aura son temps, chacun aura son moment. Aujourd'hui, on a vu le stamina qu'a ramené, par exemple, à Moura, beaucoup aimé aussi la rentrée de Edem, la rentrée de truc. Donc, tous ces joueurs-là ont ramené quelque chose. Et ce qu'on leur dit, on les prépare pour ça. Il ne faut pas rentrer dans des frustrations, rentrer à reculons. On n'a pas besoin de ce genre de joueurs. Donc, tous les joueurs sont concernés. On aura besoin de tout le monde. Regardez, il y a un match qui arrive déjà dans 3 jours, déterminant pour le coup. Là, c'est pour le coup. C'est une finale, on peut le dire. C'est une finale. Et on aura besoin de fraîcheur, de grosse fraîcheur. Donc j'espère que ça va nous servir dans ce tournoi, inchallah. Djelfour, al quwwat wal mana'at min qalb al Côte d'Ivoire. Chiri yurafiqukum fi kan al Côte d'Ivoire. استمتع بأجواء الكان مع بلاطة ليكس الشيبس رقم 1 في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني كادياس طريقكم نحو الكوديفوار رامي الذوق الأمثل في كان الكوديفوار تكنو نورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر